Salut YouTube, bienvenue dans la chapelle de la confrérie, en compagnie de Prototype 42, le mec assez débile pour oublier que pour utiliser cette machine, en fait, il faut utiliser Pénétrator Max. Donc c'est parti, c'est la suite. Oui, parce qu'on lui a donné un petit nom, quoi. Le nom de la finesse, quoi. Le Pénétrator Max. Ok, donc du coup, ce qui nous permet de débloquer là... Et là, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Ça, en fait, ça fait 3 heures qu'on aurait pu y aller. Ah, mais c'est un raccourci! D'accord, et donc c'est un raccourci pour... Le truc, mais donc du coup, en fait, j'ai aucun intérêt à redescendre, là. En fait. En fait, on est juste débile. On est juste des bilus. Mais sauf que, on en revient à ce que je disais, on sait toujours pas... À quoi ça... Attendez. Parce que là, après, on revient au dispositif, et le dispositif, on sait toujours pas en quoi en faire. Donc est-ce qu'il faudrait pas descendre? Sauf que là c'est pareil en fait, oui non en fait ça nous ramène au même endroit mais on sait pas quoi faire de tout ça en fait. Qu'est-ce que je rate? Putain, on est forcément en train de rater un truc hein. Mais alors quoi? Vas-y, on va repasser par là parce que là je vois pas ce qui nous manque hein. Sauf que je pense pas que ce soit nécessaire de passer par là, mais bon, il faut bien que je clôture toutes les possibilités. J'aurais jamais dû relancer cette VOD YouTube. Vous allez nous voir galérer voilà, pendant une heure, là, ça va être exceptionnel. Encore une bien belle VOD. Jean-Michel, ça va bien se passer, Jean-Michel, arrête de t'inquiéter. Mais bon, je te trouve un peu sceptique. C'est bon, ça va se passer. Les choses vont se passer, Jean-Michel. Et non, mais là, on fait que revenir sur nos pas, non? Vas-y, tant pis. Explorons toutes les solutions pour être sûr que... On les a toutes exclues de la problématique, quoi. Ouais, parce que là, c'est le truc, là, c'est ce qui nous a permis d'améliorer le truc. Ok. Donc là, effectivement, là, il me semble qu'on a rien à foutre ici. C'est validé. Je pense que c'est validé. Alors, à moins que... Non, ça c'est raccourci. Donc reprenons raccourci parce que si ça veut dire que c'est raccourci, c'est que en fait ça sert à rien de backtrack. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est de là où on vient en fait. J'ai déjà zappé moi, hein, entre temps. C'est ça d'avoir une mémoire de poisson rouge. Hein. Ok. Non mais Jean-Michel, ne t'inquiète pas, c'est juste que j'ai une mémoire de merde, donc je pensais qu'il fallait que je t'opère ici, mais en fait pas du tout. Tout va bien. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, je crois que... Ah, déjà... Ouais, c'est bien ça, on n'a pas de muni... Dépêche-toi, bordel!
choses se passent. Donc attendez, du coup on avait bien fait de backtrack ici parce que... parce que visiblement il se passe des choses ici. Bon là ce qu'on disait c'est que j'en ai... C'est vrai qu'on n'a pas trouvé... Bon le pénétrator max était évident, on n'a pas trouvé de nom pour les autres armes quoi. Avec l'autre, on peut, celui-là, on peut l'appeler le pénétrateur 3000. Est-ce que c'est le pénétrateur 3000, on pourrait pas... Est-ce que ça devrait pas être le pompe, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On est déjà passé ici ou pas? On est déjà rendu compte qu'il se passait quelque chose ici ou pas? Attendez, on va reprendre le pénétrateur max, hein, quand même. Ah non, mais là, c'est le début. Quoi que je sais pas en fait, hein, est-ce qu'il faudrait pas... Ah mais c'est pas lui que je voulais utiliser. Ah ah. Dans le cul. Et dans le cul Lulu. T'attendais pas à ça hein. Et ouais Lulu. Tiens là! Eh ouais! Mais oui, c'est. Oui! C'est celui que j'appelle le pénétrateur max. C'est pour ça. C'est vrai que t'avais pas la ref. Non, mais là, en fait, on est en train de revenir carrément sur nos pas là. Ils sont fous là, là. Jean-Michel? T'es où, Jean-Michel? Ah non, mais ça, c'était vraiment le début. Ah, t'es là, Jean-Michel. Ah, mais c'est là qu'on doit accéder, mais sauf que... Je comprends rien à ce qu'on doit faire. Hein. Donc ça, là... Effectivement, c'est le premier truc qu'on a fait. Un truc, en fait, on a monté le mécanisme là-haut. Le mécanisme qui est là-haut, c'est le fameux truc. Ah, mais... Donc, je pense que... Est-ce qu'on a débloqué les chemins? Ça vient se passer, Jean-Michel, ne t'inquiète pas. On est professionnel. Ah non, on peut pas passer là. Comment on fait pour aller aux autres endroits, en fait? C'est ça la question. Jean-Michel, par où on passe? S'il te plaît. Ah mais tu fais pas d'efforts pour nous aider aussi, Jean-Michel. C'est pas sympa de ta part, hein. Arrête de te plaindre, ça suffit. Hein. crois-moi que la vie de scientifique est bien plus dure que la tienne, là, qui a rien à foutre ici, là, qui reste planté, là. C'est bon, on a tous nos problèmes, Jean-Michel. Hein. Et ça, c'était où on était tout à l'heure. Ça. Attendez, nous, on arrive d'ici, on est d'accord? Ah, mais c'est par là qu'il faut redescendre. Du coup. Et non, mais là.
Le chat, moi je suis perdu, hein. Tout se ressemble. Allez, tu pourrais nous aider aussi, hein. Ça serait plus simple, hein. Tout se ressemble, le chat. Vu tous les cadavres, c'est ce qu'on vient de faire, ça? Attendez. Eh non! On venait de l'aile droite. Donc là, je vais sur l'aile gauche, donc c'est là où on doit aller. Ah, je sais pas, le chat, putain. Je suis perdu, hein. Parce que là, du coup, le dispositif, j'imagine qu'il faut monter trois fois le dispositif dans la salle. Et une fois qu'on aura monté trois fois le dispositif, on comprendra ce qu'il faut faire. Avec le mécanisme qu'on comprend pas, quoi. Et non, mais... Ouais, mais sauf que... Les endroits nous mènent à Rome, quoi. Week-end à Rome. Ah ouais, mais putain, mais voilà, le chat, on est aveugle. On est aveugle aussi. Ah ouais, mais ça nous amène à rien. Hein. Ça nous aide pas à grand chose. Hein. Ok, on a découvert un nouveau chemin, mais. Pas là, qu'est-ce qu'on doit faire de ça là? Parce que c'est pas comme si tu le mettais à un endroit et d'un coup ça te disait clic comme si ça avait activé quelque chose. Ou... Week-end à Rome. Et si Terra avait raison en fait. Faire ça, ça change rien parce que à partir du moment où je sors de la machine, ça réinitialise. Waouh, non mais si vous comprenez quelque chose, n'hésitez pas, parce que là moi c'est le moment où je commence plus à rien capiter, quoi. Moi j'ai l'impression qu'on n'a pas les clés pour répondre pour résoudre ce puzzle, si on peut le résoudre à ce moment-là. Le seul truc que je comprends, c'est qu'on pourrait potentiellement accéder... Vous voyez, là, ça a l'air d'être en chemin, quoi. Ici, pour activer les deux autres, on va dire, parties du puzzle... Et oui, c'est ça, regardez, c'est ce qui va permettre au truc, genre de... Enfin, voilà, mais comment on accède à ces autres endroits, alors que... Il semblerait que, effectivement, on a débloqué... Les portes pour pouvoir passer. Sauf qu'on sait pas où elles sont, quoi. Je crois que les opérations, là, à chaque fois qu'on fait mal à la bête, là... Le mal et la bête, là... à chaque fois qu'on fait mal à la bête, en fait, ça semble ouvrir... c'est pas comme si on en venait pas aussi d'ici, quoi.
semble ouvrir un passage, mais il est où ce passage? Ah mais on est débile ou quoi? Et le chat, il semble qu'on soit débile. Il semblerait... Il semblerait qu'on soit débile. Attendez, maintenant qu'on est là, j'en finis pour vérifier le truc, mais ok. Il semblerait qu'on soit un peu débilous, quoi. Et du coup, où est le dernier truc? Ok. Et donc, du coup, le dernier truc est... Il me semblerait... Au dernier embranchement, là, celui de gauche. Là où on était tout à l'heure, en fait. J'ai dû passer à côté comme un connard. Enfin, je suis revenu ici. Bon, ici, il n'y a pas de... Je pensais en fait que ça allait me remettre sur le chemin du truc. Comme quoi, vous voyez, j'ai encore rien compris à la map. Hein. C'est aussi pour ça qu'on galère, c'est cas. J'ai une orientation digne d'une moule qui attend la marée. Sens d'orientation digne d'une moule qui attend la marée, donc c'est compliqué. Ok, donc là maintenant. Si je vais là. Putain, mais on est sérieux le chat. Oh là là, on n'est jamais passé par là quoi. Est-ce que ce monde est sérieux? Non, on n'est pas intéressé, monsieur, on n'est pas intéressé. Ah si, en fait. J'aime le bagarre. Pousse! Pousse! Est-ce que ce monde est sérieux? Attendez, du coup, est-ce qu'il nous en manque pas un? Eh non, mais putain, mais observe, bordel. Tu vois bien qu'il en manque pas un. Putain, mais... Oh, j'en peux plus de moi, le chat. Hein. Sachez-le, hein, que même moi, là, quand je fais les constats des trucs que je rate hein, et que je me pose des questions de cet acabit-là, sachez que même moi, je me fatigue. Hein. Alors... Et maintenant, que vais-je faire de cette énigme? Et si ça nous aidait pas à ce qu'on venait de faire? qu'est-ce que je dois faire de ça maintenant, bordel? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet, bordel? Reset, mais qu'est-ce que... Attends, je sors de la truc. Ville blanche en haut à gauche. Ça
Ça, c'est ça que tu veux que je fasse? Oui? Comment ça, go? Attends, je crois que j'ai compris là où tu voulais en venir. Mais sauf que ça nous aide pas. Genre, tous les chemins ne mènent pas à Tarom, parce que là, du coup... Tu vois, là, c'est pas ouvert, ici. C'est ça que t'imaginais. J'aime cet esprit d'entreprise, mais sauf que y a pas l'air d'avoir un seul chemin qui nous permet de... Franchement, je comprends, hein, mais c'est pour ça que j'ai compris tout de suite pourquoi tu as compris ça. Mais ok. Ok, on vient de comprendre un truc. Ouais, la barrière était fine. Ok, merci. Mais qu'est-ce que... Tu vois, le problème, c'est que j'en reviens à un truc, c'est que quand tu observes chacun des trucs, en fait, genre, il n'y a pas l'air d'avoir un chemin qui te permet... Et ouais, d'accord, oui, donc c'était bien ça, en fait. Si on n'avait pas remonté les trucs, déjà, on pouvait pas résoudre le truc, ok. Ça doit se jouer en trois coups, oui, je vois très bien ce que tu veux faire, essayer de... Enfin, bref. Sauf que... Où est l'endroit... Ah si. J'ai... Ça y est, je commence à comprendre le truc, maintenant que tu me... Ok. Imaginons. Parce que là j'y vais au pif, mais ok, j'ai un truc. Putain, t'es un génie. Et je suis pas tout à fait sûr, en fait. Ce que je me dis... Si vous voulez, le chat, je me dis, l'objectif serait-il pas... Ah si! Ah si, ça y est. Je l'ai, mais sauf que je sais pas comment... Ok, je pense que j'ai compris. Moi, mon objectif... Ouais, voilà. Putain, mais déjà, t'arrives à formuler ce que j'arrivais pas à dire depuis tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il faut faire ça. Sauf que j'ai pas trouvé, je vois pas encore pas le chemin pour le faire, quoi. Genre, c'est pour ça que je tourne là depuis tout à l'heure, parce que j'essaye de trouver les occurrences qui me permettraient d'aller à cet endroit-là, et sauf que je trouve pas. Parce que déjà, j'ai du mal à imaginer comment on va en haut à droite, en fait. Je vois pas comment accéder en haut à droite. Genre, en imaginant que je puisse pas y aller directement... J'ai l'impression qu'à aucun moment... Bref, peut-être que c'est pas par là qu'il faut passer et que donc du coup je focalise trop sur le mauvais truc là. Hein. Parce que là je vois pas de solution. En fait, je voulais l'amener en haut à droite pour l'amener au centre là, mais... De toute façon, en fait, depuis que je réfléchis à cette solution, je vois pas de solution qui nous amène à ça. Donc peut-être il faudrait l'amener ailleurs. Ah, attends, excuse-moi, je viens de voir juste ton message maintenant. Alors avec le délai, j'imagine que je suis pas sur le bon écran. Attendez, mais laisse-moi réfléchir, attends. Si vraiment je trouve pas par moi-même, je viendrai vers vous. Mais maintenant que j'ai compris le principe, là ça m'intéresse.
J'essaie de me focaliser sur d'autres parties du labyrinthe. Ouais, mais avec le délai. Attends, déjà laisse-moi réfléchir toi, vite fait. De toute façon, je crois que je vais demander ton aide dans pas longtemps parce que je trouve pas. Hein. Sans doute pas me focaliser sur le bon endroit, mais. Ok. Je l'ai. Je crois que je l'ai. Ok. Ça. Est-ce que selon toi c'était ça qu'il fallait faire? Genre là je sors de la machine et je valide? Parce que j'avais fini par solutionner le truc. Et j'étais à ça de pas y arriver quand même, quoi. Je crois que comment ça se passe, Jean-Michel? En vrai, merci parce que tu vois, autant bon, en vrai, si tu m'avais, tu vois, genre parce que ok, j'ai réussi à trouver la solution, mais je crois que j'aurais, tu vois, en fait, je pense que s'il y avait eu personne sur le stream, honnêtement, je pense que j'aurais jamais trouvé la solution parce que c'est toi en fait le fait que tu réfléchisses au truc qui m'a fait comprendre le principe du truc, quoi, et pas du tout saisi au début là qu'il fallait utiliser en fait que le labyrinthe et les trois étaient liés et qu'il fallait. Sans toi, je pense que je serais vraiment pas arrivé, quoi. Parce que c'est pareil, en fait. Genre, le principe était pas compliqué, mais encore faut-il comprendre le principe, quoi. Tu vois? Je pense littéralement que j'y serais pas arrivé tout seul, quoi. Véritablement, hein. Non, mais le problème, c'est que moi, je suis full. Putain, je sais déjà même plus comment on dit le nom. Moi, je suis full. Je suis full agent là. Non, c'est pas ça le terme. Je suis pas bourré là. Hein. Là, c'est mon état normal. Hein. Là, je suis en plein.
Je suis en pleine possession de mes moyens, quoi. Je n'ai absolument aucune excuse. Ah non, ah oui, d'accord, ok. Ça. Oh, si tu pourrais te permettre ça. Je... Ok, nounou. Oh, je crois que Jean-Michel. Hein. Jean-Michel, je t'entends plus, Jean-Michel. Hein, mais quand je disais que 100% de mes des personnes avec qui j'ai expérimenté des trucs mouraient. Je crois qu'on n'a pas, pas baissé les ratios, c'est beau. Alors désolé Jean-Michel, hein, c'était pour la science. Hein. Alors attendez, excusez-moi, parce qu'en vrai... Ah non mais on peut plus repartir. Kem, prenons 2 secondes pour observer. Mais rien, parce qu'on n'y voit rien. Non, parce que en fait, je me suis fait la réflexion en mode « Ah, mais en fait, on est de retour où là on était à la base. » Sauf qu'on est... Et non, en fait, c'est pas l'endroit où on était à la base. Non. Ah, je suis désolé, Jean-Michel. Bon, Jean-Michel a l'air d'être au top, là, hein, Jean-Michel. Jean-Michel est au max. Qu'est-ce que sont ces trucs? Vous croyez que c'est des œufs? Attendez, enquêtons un peu, parce que bon... Vous voyez que j'imagine qu'on n'aura aucune réponse sur le pourquoi du comment qu'on est ici. Si on arrive à récupérer des indices visuels qui nous permettent de comprendre la situation... Bon... Ouais, non... Ça va être compliqué en termes individuels. Bon, bah ok, on se casse au scandale Bezos, et puis écoutez, hein. Tant pis, hein, désolé Jean-Michel. Hein. Oh, pas Jean-Michel. Bon, désolé Jean-Michel. Hein. On fait ce qu'on aura pu. Hein. Ah si, il est toujours vivant. Putain. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, malheureusement. Courage Jean-Michel. Hein. Merci, grâce à toi, la science avance. Hein. Écoutez Wisebot, hein, n'hésitez pas à vous abonner aux 2 chaînes YouTube. Hein. Ça me met bien, hein, c'est gratuit et ça me met bien. Vous avez des vidéos de qualité. Au moins sur une des 2 chaînes. Bon, allez, let's go. C'est con, mais alors, putain, quelle ambiance, quoi. Parce que là, on est juste en train d'emprunter un train, quoi. Là, on est juste dans le métro local, quoi. Terminus, tout le monde descend.
Attendez, il y a... Ouais, non, il n'y a que ce chemin. Le RORB, c'est plus ce que c'était, hein. Oui, je sais que c'est sans doute pas le chemin, mais je peux pas m'en empêcher. C'est l'objectif. L'objectif, c'est pas... C'est de pas... Ah oui, on est vraiment en fait de... Ok. Ok. Je vois une bouche, forcément j'ai envie d'utiliser mon pénétrateur max. Un petit état de... Ouais, bon, on est toujours au max, quoi. Alors attendez, parce que du coup, mais c'est un chemin ça, en bas à gauche hein. Tiens, encore un endroit pour utiliser notre pénétrateur max, mais visiblement, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant nous. Des blagues de bon goût, hein, sur cette chaîne. Hein, des... Ah, tu vois, j'ai rien bu, mais c'est tout quand même, Marco. Tu vois, y a pas besoin de boire beaucoup d'alcool pour sortir des conneries plus grosses que nous. Exceptionnel, hein. C'est insane en vrai. Hein. Alors, je sais pas, du coup, j'avoue que j'ai éclairci énormément le jeu de peur que vous voyez rien parce que, bon, bah, la plupart du temps, on était dans l'obscurité la plus totale. Là, j'ai l'impression que c'est un peu clair, du coup. Hein. Le jeu, peut-être, devrait pas être aussi clair. Mais bon, en vrai, j'ai bien fait parce que, bon, 90% du temps, on était dans l'obscurité, mais. Et là, du coup, j'ai pas l'impression que le. Ça devrait être un peu plus sombre, quoi. Je sais pas. Après, ce que je me disais, ça aurait peut-être valu le coup que j'applique un filtre sur OBS et que moi, entre guillemets, je fasse des réglages pour moi et que vous, je fasse des réglages avec un filtre sur OBS. Bref, on fera pour le prochain jeu, quoi. C'est typiquement pour ce genre d'image que je joue à ce jeu, le chat, what the fuck, quoi, en vrai. En vrai, on s'en fout de ma gueule, non? Putain, en vrai, j'aimerais pouvoir ranger mon arme, là. Putain, ça serait un screen magnifique, quoi. Oh là 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 là. Pouah. Du coup, est-ce que c'est vraiment par ici qu'on veut passer? Ok, donc il y a deux chemins qui vont vers le bas. Oh putain, c'est insane.
Oh damn! Attendez, qu'est-ce que. Comment. Moi, je veux accéder à cette fresque là-bas. Je sais pas si c'est une fresque. Attendez, mais comment on la. Quoi? Comment on voit le truc? Attendez. Un truc que je comprends pas. Ah oui, non, c'est parce que là, il y a. Ok. Attendez, mais. Comment on fait pour accéder là-bas, là? Moi, je veux accéder là-bas, là. Putain, mais on peut pas! Oh, je suis désolé, hein, mais bon, effectivement, hein, c'est mon côté Dark Sasuke là qui est un truc. Hein. Je peux comprendre que pour certains, ce soit pas très très joli, ce soit plus dégueulasse que joli, mais. Mais du coup, on peut pas. Moi, j'aimerais aller là-bas, là. Ah oui, la fresque, là, en plein milieu, là, j'aimerais la voir de proche, de plus proche, là, mais je crois qu'on est bizarre. Le chat. Ok, donc vas-y, on va prendre un des deux chemins là déjà, on va voir ce qui se passe. Je sais pas par où passer. Mes yeux sont attirés partout, je sais pas quoi faire, c'est terrible. mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait le chat bordel? Oh putain. C'est vrai que maintenant j'ai l'habitude de streamer avec une caméra alors qu'à l'habitude on streamait sans caméra. Et du coup je m'attends à que vous voyez mes réactions sans caméra. Il faut que je surjoue chacune de mes réactions du coup. Ok, ben écoutez, on va appuyer sur le bouton. Je sais pas si c'est une excellente idée, mais bon. Ah. Ok. Juste meilleur. Regardez quand même. C'est... Ah non, mais. Oh mais non, mais c'était trop bien quand il l'a sorti, putain, je croyais que c'était l'animation par défaut, ça m'aurait tellement éclaté le chat. Je suis un peu deck qu'il soit là maintenant qu'il la tient. Oh. Oh non, des munitions. Mais non, mais est-ce qu'on peut pas arrêter avec... Ah non ? Oh putain, qu'est-ce que ça veut dire? Si je passe ça, les amis, là, qu'est-ce que ça veut dire? Non, on va encore se... Attends, mais c'est quand même bizarre, là. Encore, on me demande... Il y a un truc, clairement, pour insérer nos doigts et on s'insère pas dedans? C'est la première machine dans laquelle on s'insère pas? C'est ça que vous dites, là? Comment ça se fait? Non, mais on va le TF4 le jeu, là. Ça n'a pas de sens, hein, putain. Non. Je croyais que c'était une allégorie de la pénétration, ce jeu, et... Je suis pas rassuré. Je suis complètement pas rassuré. C'est un scaf. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Oh, je vous jure, j'ai eu putain de peur, j'ai flippé quoi. Vas-y, recharge-moi ça là. On veut des munitions. Maximum de munitions. Sortir le pompe. La pompe.
Let's go, on se met bien. Allez, on recharge juste la balle qu'il nous faut. La balle qui nous manque plutôt. Ok, là on est bien. Bon, ça veut dire que ça va fight. Hein. Ça va forcément fight. On va prendre le soin. Et là, écoutez, je pense que... Comment ça ? Ah. Ça pue du cul quand même. Est-ce que là on va pas réanimer un truc qu'on va devoir affronter direct après là ? Ils sont mauvais cette histoire quand même là. Ben ouais. En même temps il a pas de jambes. Hein. Il a pas de jambes et il a pas de bras. Et donc quand pas de bras, pas de chocolat quoi. Hein. C'est ça l'avantage. Ça va bien se passer, monsieur. Hein. Je suis un professionnel. Est-ce que vous voulez qu'on abrège vos souffrances tout de suite, hein? C'est possible. Hein. J'ai peur le chat putain. À quoi nous sert le deuxième œuf ? Sachant qu'en plus on va débloquer des œufs. Mais je comprends rien. Comme d'hab, vous allez me dire. Quel objectif ? S'il faut mettre le bébé là-bas, là ? On a mis le mauvais bébé à l'intérieur. Il faut retenter l'expérience peut-être. Oh putain, mais là je comprends rien là. Hein. Passer sur P23. Ouais, bon, après en même temps. Donc, s'il va nous tomber sur le cul, pénétrateur max, bon. Pas ouf, quoi. Ça, c'était le soin. Clac-clac. Et. Ah, et est-ce que. Est-ce que. On peut le prendre, hein ? D'accord. Et si, du coup, je le pose. Est-ce que je me suis baisé là ?
Merde! Je sais pas quoi faire là. Voilà, c'est pareil, hein. Là si vous avez des suggestions, parce que je... On a ce truc là qui demande... qu'on reste dessus, mais bon, si on reste dessus... Et imaginons qu'on puisse le bloquer, qu'est-ce que ça nous avance d'avoir ça de... d'ouvert quoi. Débrancher lui. Ça m'a fait peur. Retourne sur la plateforme. La blague est valide. Pour aérer la pièce, me dit Terra Octet, voilà, nickel. Putain, j'aurais dû me douter que venant de toi. Ok. Alors, je propose qu'on se casse parce qu'on me dit bisous. Je vous dis que j'ai une mémoire de merde. Bon, donc, je me suis dit qu'il fallait backtracker. Hein. Quoi ? T'es pas sérieux ? La déception est tellement grande. Je me suis dit, en fait, là, tu peux rentrer un truc là-dedans, mais non. La réponse est non. Qu'est-ce que je fais du bébé, là ? Je le jette par-dessus le balcon, là. En fait, c'est Death Stranding. Ce jeu... Putain, en plus, comme ça occupe une partie de l'écran, là, je sais pas... C'est perturbant. Putain, j'étais trop fier de moi, j'étais... Putain, t'as trouvé la solution? Pas du tout. Attendez. Être une idée. Est-ce qu'il faut pas... Désolé de te bouli, mais moi je comprends pas là ce qu'on doit faire là. Bon, ce qui me rassure, c'est que dans le chat, vous aussi vous comprenez pas. Moi je suis pas le seul, mais. Ah, attendez, est-ce que du coup je peux reprendre? Mais non, même pas, hein. Je veux bien lui péter la gueule, mais je veux pas utiliser mes munitions. Ah,
Non mais en fait moi je considérais que tu vois ils allaient rien se passer parce que depuis tout à l'heure je lui cassais la gueule tu vois donc j'étais en mode bon bah tu changes rien quoi. Krang putain mais oui. Je vous dis, pour moi, on a 100% de réussite dans le fait que chacune de voilà chacune des personnes qu'on fait jouer en fin d'expérience meurt à la fin. Mais non, mais ça pue du cul cette histoire parce que lui, il peut avoir du chocolat, quoi, lui, par contre. Hein. Là, on reconnaîtra que, bon, en termes de chocolat. Oui, oh. Qu'est-ce que je fais de lui là maintenant? Ah! C'est un petit jus de fruits. Petit jus de fruits de bébé, voilà. Ah! C'est ça. Bon, je sais pas si c'est ça qu'on veut, mais. Ce qu'on attend de moi me surprendra toujours dans ce jeu. Genre, je pensais qu'il fallait que je reparte là-bas, et en fait, non. Et en fait, non. Ok. Ah ouais, mais non. C'est ça, petit granny. Petit granny, ça va en brillant, c'est exactement ça. T'as. Très bien. C'est bon, moi, quelque chose me dit que lui, il va se défendre, quoi, hein. Et il va pas se laisser faire comme ça, hein. Quelle surprise! Bon, faudrait. Faudrait se lever, hein. Ah! Je me disais, bon, mais ça va être évident, moi, s'il faut frapper.
certainement un finish à mettre. Ok. Fuck, mais il me... C'est des gros projectiles qui... Ok. Alors est-ce qu'il faut que je tire dans son truc rouge là ? C'est-à-dire qu'il y a quand même des chances quoi. Ah, est-ce qu'il faudrait pas ? Essayer de... L'opportunité était... C'est plus... Ah merde! Ah mais... Attendez, s'il y a un truc que je comprends pas là... Alors je croyais que, en fait, une fois qu'il rechargeait, genre il était vulnérable, mais ça a pas l'air d'être le cas. Donc j'ai l'impression que, en fait, j'ai pas l'impression qu'il faut juste le DPS quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que là, je suis en train de changer d'optique. Donc essayer de trigger certaines de ces animations pour voir. Ok, on a la méthode maintenant, on a la méthode. Donc il faut... Vas-y, tire-moi dessus. Ok, c'est la phase 2, donc il est plus vénère. T'es pas sérieux là ? Au pire, on peut faire ça au pénétrator max en vrai, hein, mais... Faut que je trouve pris la confiance. Passons. C'est terminé. Trois coups, hein, c'est comme Mario, ok. Une chose à dire. Ok.
Ok, ok, j'ai crié chier un peu trop vite. Ok. C'est tellement le karma. J'avoue. Combien de... Il me reste qu'une balle. Après, il va falloir y aller au pénétrateur max. Hein. Mais vas-y, mais tire-moi dessus, là! Mais... C'était une animation où j'avais tiré. Mais... Mais... T'es trop chiant, Jean-Michel, là! Et il faut tirer dans quoi? Un truc quoi. Arrête là. D'accord, ok. Ah, terrible nouvelle. D'accord. On va changer complètement de strat. Donc en fait, il faut attendre le coup au corps à corps pour ensuite. Ok. Changement de strat. En fait, on va y aller au pénétrateur max au début. Et ensuite. Et ensuite, on sort la grosse artillerie. Des petits pas de danse à la Messi. On va le perfect, on va le perfect.
cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. J'allais dire. La grisance, je vous dis, la grisance, hein, ici. Au plaisir. Au plaisir. Mais vas-y, fais pas ta princesse là. Ça c'est tout moi ça. On a une strat qui fonctionne très très bien et je peux pas m'empêcher de d'improviser quoi. You know what it means. D'accord qu'on n'a pas... Attendez, parce qu'en vrai... Donc on sait, on bolosse quoi. Fucking script. Fucking script. Putain, on a quatre bras là. Si on pouvait essayer les deux autres bras, ils pouvaient se sortir les doigts du les doigts du cul là aussi là. On passera un autre jour. Non mais... Aïe, mais... Bon, on va se soigner. Hein. Le problème, c'est que je peux pas courir en fait quand je fais ça. Pas la ref Terra. Ça veut dire quoi? Ouais, il faut en fait il faut attendre la seconde phase, c'est ça? Du coup, je sais pas si c'est un troll, je sais pas si c'est une. Ok, je pense que du coup j'ai compris le troll. Si c'est une rêve que je veux pas avoir, je pense que j'ai compris. Enfin, peut-être pas, mais. J'ai peut-être pas envie de savoir en effet. Je sais pas si je sors le pompe ou pas. En vrai, vas-y, on va sortir le pompe. Hein. Ah non, j'ai vraiment. Ah non, j'imagine un truc vraiment plus immonde que ça. D'accord.
putain, je suis tombé sur un tweet. Bon, parce que là, bon, on peut discuter pendant ce temps, là, c'est bon. c'est bon. Aïe. On peut discuter, mais le problème, c'est que j'ai toujours du mal à gérer le trigger de son truc, quoi. Donc non, on peut pas discuter, mais bon, je pense que même si je me concentrais sur le combat, j'arriverais pas à gérer le trigger, en fait. Il y a quand même un gars qui a sorti une vidéo YouTube sur... la vidéo, c'est plus ou moins une meuf à quatre pattes. Donc on voit rien sur la vidéo, hein. Mais quand même, hein, donc je vous laisse imaginer, c'est quand même une meuf à quatre pattes. Et la vidéo est plus ou moins intitulée « Devine ce que je te mets dans le cul, quoi ». Voilà. Et au cours de la vidéo, alors même si on voit rien, hein, c'est-à-dire qu'on en est là en termes de création de contenu, hein, sur YouTube, hein, en général, même si on ne voit rien, alors bon, je sais pas si c'est entre guillemets réel ou pas, parce que tu ne vois rien, bon, c'est pas comme si j'avais envie de savoir, quoi. Mais bon, dans les trucs, mec met sa bite, quoi. Voilà, hein, disons les termes, quoi. Voilà, il y a pas mal de gens qui en parlent en ce moment sur Twitter, quoi. Bon, la vidéo n'est pas restée longtemps sur YouTube, hein, mais elle existe. Voilà, voilà. Lampadaire, c'est ça, ouais. Non, mais fais un effort, toi aussi, là. C'est bon, on va pas tourner une vidéo YouTube, là. Tu peux faire ça plus rapidement, quand même, là, bordel. C'est pas le pire trigger au monde là que je... Mais quand est-ce que... Quand est-ce que son ventre s'ouvre, hein? Qu'est-ce qui a déclenché le... Quelqu'un se souvient de ce qui a déclenché le fait que son ventre s'ouvre tout à l'heure? Parce que je suis à peu près sûr que ça sert à rien de le DPS là, hein. Il faut juste attendre l'opportunité pour tirer dans son ventre. Mais bon, maintenant je suis pas sûr, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Si, j'ai un moment, j'ai tiré quand même, hein, parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire, donc... Est-ce que c'est le fait de tirer qui a déclenché le fait qu'il ouvre son ventre? On va essayer, hein. Ouais, parce que... J'aurais jamais dû faire ça. La sensibilité est pas ouf sur ce jeu, donc je peux pas faire des shots précis. J'ai pas réussi à nous trouver une bonne sensibilité, c'est aussi pour ça que je fais de la merde. C'est une bonne idée de faire ça, hein. Non, personne se souvient du trigger. On va mourir une seconde fois là au final, là, je sens là. On comprend pas ce qui se passe là. Bon, je vais arrêter de tirer. Je vais vraiment attendre qu'il se passe quelque chose, parce que je sais pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Le mec, on s'en est jamais rendu compte, mais le mec a un lance-grenade en fait, quoi. Fuck, je me prends des trucs, je comprends même pas ce que c'est, quoi. J'imagine que c'est parce qu'il y a...
Non, ça c'est. Comment je vous dis, c'est tout moi. On a une strat qui fonctionne pour éviter les trucs. Et je peux pas m'empêcher d'improviser. Et donc, du coup, vu que c'est un truc qu'on a jamais testé, forcément on prend des dégâts quoi. Tu veux pas tirer là, je peux pas me rapprocher plus quoi. Enfin si, je peux, mais j'ai pas envie de me prendre des mandales quoi. Un effort, bordel! Mais. Je comprends pas, hein. Ce qu'il faut faire, hein. J'ai l'impression qu'il va recharger à l'infini, quoi. Ouais, mais non, mais on va pas rentrer dans ce genre de débat parce que j'aime pas trop ça. À chaque fois, les gens ils disent toujours oui, pour la grande majorité des gens, sauf que moi je fais jamais partie de la grande majorité des gens, donc tu vois, je suis toujours l'exception qui confirme la règle. Moi j'ai un grand tapis de souris, mais genre, je n'utilise pas mon bras comme la plupart des gens. Je ne arme aim pas. Moi en fait, c'est pour ça que genre. Alors du coup, ça paraît contre-intuitif et je suis bien d'accord, mais. J'ai toujours joué avec des très hautes sensibilités aussi parce que, effectivement, à l'époque, quand les premiers FPS que j'ai tryhard, c'était CS, et je jouais dans un cybercafé, je peux vous dire que. Voilà. Non seulement déjà, on n'avait pas les tapis de souris qu'on a à l'époque. Et de toute façon, tu pouvais pas t'amuser à faire des gros mouvements, parce que bon, bah à côté, il y avait un joueur, quoi. Tu faisais des gros mouvements avec ta souris, il y avait aussi la possibilité que tu te prennes des gros mouvements du joueur d'à côté dans la tête, quoi. donc ouais, moi j'ai toujours joué avec des très hautes sensibilités. Et puis de toute façon, après, en tant que monteur aussi, genre. Pas avoir, tu sais, quand sur ta timeline, à aller chercher. Ouais, c'est ça en plus, c'est ça. Au-delà de ça. Hein. Et donc, moi, du coup, le truc, c'est pour parler de sensibilité, vu que bon, en attendant, il se passe pas grand-chose, quoi. moi, je finger aim et mes gros ajustements, j'ai fait avec le poignet. Là, vous voyez, quand je fais les mouvements comme ça, je fais avec le poignet, mais sinon, si j'ai une sensibilité qui va, je finger aim. Ça, vous voyez, ce genre de mouvement là. Je l'ai fait avec le doigt en fait. Mais. Je comprends pas. Fuck. Qu'est-ce que je faisais tout à l'heure? Putain, je déclenchais des animations qui se déclenchent plus, quoi. Merde, c'est vrai qu'il faut rester appuyé pour celui-là. Celui-là, une dernière fois, sera fait. Et forcément, ah d'accord, en fait il faut déclencher l'attaque au corps à corps. Ok, donc en fait c'est qu'on combat pas assez près. On va passer. Fuck. Il est où? Ouais, mais sauf que. Thank you.
vraiment pas avoir peur, quoi. Donc c'est marrant parce que tout à l'heure quand je vous disais putain il me faut des grenades et tout ça en fait c'est sans penser qu'on allait trouver un lance-grenade quoi. Let's go. On va bien être content de faire un smoothie avec toi quoi. Petit jus de raisin en plus exactement. Ah mais vous croyez que... Oh non... Ça va pas être suffisant, c'est rien si... On sait très bien qu'il y en a un troisième là, putain. Moi j'ai plus de vie quoi. Est-ce qu'on serait pas... Est-ce qu'on serait pas softlock là? Il va falloir performer à partir de maintenant quoi, putain. Est-ce que ça va être un nouveau pattern j'imagine? Ça va être terrible. Mais vous voyez, c'est pour ça que ma théorie me paraît pas dégueu de... Bon alors après, vous allez me dire, bon mais c'est le truc, c'est la réponse est aussi peut-être, c'est un jeu vidéo, il fallait bien nous apprendre, entre guillemets, la strat, entre guillemets. Enfin, nous faire comprendre qu'il y a... Quoi ? Ah ouais, non mais voilà, en fait, ok, en fait, il faut en affronter un autre. Ouais j'avoue, non mais aujourd'hui il est pas en forme, Wisebot. Hein. Oh putain, on n'a pas d'or. Ah oui, et on est bloqué et... Allez, on est bloqué sur le lance-grenade quoi. Terrible nouvelle. Là, je peux plus switch d'armes. Du coup, est-ce que je peux... Non, je peux même pas... Terrible. Tu donnes pas des munitions, toi ? Là, je peux récupérer des munitions, mais comme il n'y a plus de switch d'armes... Qu'est-ce que... De quoi je voulais parler ? Ah, je sais plus. Mais YouTube, je sais plus du tout où on est, donc dans le doute, on va s'arrêter là. Des bisous à vous, YouTube. Très bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr, sur Scorn. Voilà, on se met bien, en vrai, le jeu est exceptionnel, même si c'est très sale. Voilà. See you next time.